Shalom, shalom à toi, bien-aimé de Dieu. Shalom à toi, porteur de grâce. Une joie encore de nous retrouver en ce matin. Dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une joie immense que nous puissions encore, en communion et en unisson avec tous les anges et avec tous les saints, que nous puissions encore en ce matin faire monter notre action de grâce au devant du trône de Dieu. Par les mains de Marie, que nous puissions véritablement aller être dans la présence de notre Seigneur, être vrai dans sa présence, être vrai dans ses parvis, pour tout simplement lui témoigner ses hauts faits, lui témoigner de sa grandeur pour tout un chacun de nous. Éternel Dieu, éternel Roi, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci pour ce nouveau matin. Merci d'avoir réveillé tout un chacun de nous. Merci pour cette nuit que tu nous as donné d'avoir. Merci pour tes anges qui ont campé tout autour de nous pour veiller et garder nos maisons, mais garder également nos âmes. Merci pour le don gratuit de la vie, pour le souffle de vie. Merci, éternel Dieu. Rabboni, en ce matin, nous voulons encore laisser parler nos cœurs dans ta présence. En ce matin où le soleil se lève, en ce matin où chacun est en train de se préparer pour vaquer à ses différentes occupations, nous nous tournons vers toi pour te glorifier, pour te louer, pour t'adorer, te remercier tout simplement. Te remercier pour tout ce que tu fais. Te remercier pour tes bontés dans nos vies. Te remercier pour tes merveilles dans nos vies. Te remercier pour nos familles, pour nos foyers, pour nos enfants, pour nos nations qui se réveillent en ce matin. Te dis merci. Quand bien même pour certains le réveil pourrait être dur, parce que traversant beaucoup de choses. Mais en ce matin, tu viens laisser cette parole à ces âmes. N'ayez crainte de rien, n'ayez crainte de rien, car moi l'Éternel Dieu, je pourvois à tous vos besoins. Car moi, l'Éternel Dieu, votre Sauveur, je suis là avec vous. Alors, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, en ce matin, je veux tout simplement, par l'assistance du Saint-Esprit et par la Sainte Vierge Marie, t'encourager, te fortifier. Ce n'est pas facile, mais ne te laisse pas aller, ne te laisse pas abattre. Demeure dans cette action de grâce, car dit-on, c'est l'action de grâce qui appelle à grâce. Même dans le malheur, il est bon de savoir rendre grâce. Dans les larmes, il est bon de savoir rendre grâce à Dieu. Voilà pourquoi, de là où tu es, je veux tout simplement t'inviter à reprendre ce cantique avec moi, de tout ton cœur, de tout ton être, et que ce cantique soit une prière que tu élèves au devant du trône de Dieu. Je viens te remercier.
en ce matin. Reçois mon action de grâce en ce matin. Et par mon action de grâce, Seigneur, que cela puisse te plaire. Afin que tu viennes renouveler tout ce qui était mort en moi. Que tu viennes encore par ton Saint-Esprit me fortifier. Que tu viennes encore par ton Saint-Esprit me relever de toutes mes chutes. Par ton Saint-Esprit, que tu viennes encore consoler ces âmes, ces cœurs attristés, alourdis. Que tu viennes encore montrer le chemin à tous ces égarés, à tous ceux qui sont dans le doute, à tous ceux encore qui peinent à joindre les deux bouts. Que tu puisses, Seigneur, venir leur donner de ta lumière, afin qu'ils puissent venir encore dans ta présence pour témoigner. Témoigner de tes hauts faits, Seigneur. Et en ce matin, je veux te rappeler tes promesses pour chacune de nos vies. Te rappeler, Seigneur, ta parole dans chacune de nos vies. Tu ne laisses point l'égarer. Tu ne tournes pas ta face. Tu ne t'éloignes pas de celui qui a besoin de toi. Tu sais entendre, tu sais écouter et venir au secours de nos âmes en détresse. Voilà pourquoi en ce matin et tout au long de cette journée, par les mains de Marie, nous voulons tout simplement te présenter ces âmes égarées, te présenter ces âmes attristées, ces âmes qui sont dans le doute, ces âmes qui se posent plusieurs questions mais qui n'ont pas de réponse, Seigneur. Dans cette action de grâce, que tu ailles à la rencontre de tout un chacun d'eux. Que tu ailles à la rencontre de tout un chacun d'eux, afin qu'ils puissent te voir à l'œuvre dans leur vie. Que ta volonté parfaite s'accomplisse dans chacune de nos vies, Seigneur. Tes volontés qui sont oui et amen. Alors reçois notre louange. Que je te souhaite véritablement de te laisser aller, de te laisser conduire et plaise à Dieu d'étendre encore sa main de grâce sur toi, qu'il te donne de véritablement revenir à l'essentiel qu'il est, qu'il te donne la clairvoyance en toutes choses, qu'il te donne de véritablement être dans lui et pas ailleurs. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Journée bénie à toi.